وصل صوتك. La révolution, c'est que le processus révolutionnaire est un moyen pour le peuple de faire entendre sa voix. Or, c'est un processus qui, par essence, semble anticonstitutionnel, mais tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour le gérer sont, ceux qui, sont les outils mis à disposition par la Constitution. De ce fait, d'où pour vous le régime de transition peut tirer sa légitimité, puisqu'il a une légitimité légale, mais n'est pas forcément en accord avec ce pourquoi le peuple s'est levé. Ce que je voulais ajouter à ce que je viens de dire, c'est que la transition, justement, pour démontrer que la transition politique et démocratique s'est faite déjà depuis 2011. Ce n'est pas fait comme maintenant, on parle toujours de la transition démocratique. C'est la prolongation, le prolongement du processus entamé en 2011. Deuxièmement, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, comment on est passé d'une légitimité constitutionnelle à une légitimité populaire. Pourquoi? Parce que, pour ne pas entrer dans le chaos, parce que c'était vraiment un chaos, une lutte, de manière, ce que nous avons vu après, déjà, entre tribus, entre régions et tout ce que vous avez appris sur les journaux ces dernières années. Donc, il fallait se baser sur quelque chose d'équilibre. Sinon, il fallait faire appel à qui? Président est parti. On est venu m'annoncer, j'étais chez moi, me dire. Le président est parti. J'ai dit quoi? Parti où? Il m'a dit, il a l'habitude de partir comme ça pour 2-3 jours. Ah bon? C'est première nouvelle. Parce que les gens qui pensent que de par les fonctions que nous occupions, moi ou autre, on était au courant de tout. On était au courant de rien. Voilà. Donc, que faut-il faire? Dire madame. Chacun garde sa maison et ce qui va se passer dans la rue, se passer. Donc, c'est pour ça que j'ai lié, moi, le problème des mouvements qui se sont manifestés dans les régions au point d'ordre, qui est la manifestation du 14 janvier à Tunis. Donc, c'était l'aéropage général de la population tunisienne. Et c'est pour ça que En se basant sur un texte écrit, on a tenu compte des désirs de cette population qui aspirait à la liberté, à la dignité, au travail. Donc c'est pour ça que nous avons pu allier une situation plutôt pas à l'aise pour faire sorte que les choses avancent tout en tenant compte des aspirations des Tunisiens. On a ce qu'on appelle les mercredis politiques et économiques, par collègue du CSC, travaille avec Tunis, Sciences Po Tunis, nous avons un Farb. Tous les jours, on a un chercheur CSC ou l'économie. Donc, aujourd'hui, on a cette réunion sur le Bassa. الطلبة طلبت أول معهد في العلوم السياسية في تونس من ليسانس إجازة في العلوم السياسية وإلا ماجستير في السياسات العامة وإلا في العلاقات الدولية. دونك كل أسبوع يكون شخص معناها يكون موجود شخصية سياسية ولا اقتصادية تعطي مع محاضرة للطلبة باش تعطيهم الخبرة نتاعهم في الميدان السياسي ولا الاقتصادي ولا الدبلوماسي ويكون هذا هدف نتاعو تكوين طلبة سكون ابل دي ديسيدور في المشهد السياسي التونسي
Ouais, donc former les décideurs de demain. طيب الحشيشي مدير معهد العلوم السياسية بالجامعة الأوروبية بتونس. معهد هذا تكون توا عامين وسنة مع آخر سنة جامعية يكون تخرج نتاع أول ماجستير في العلوم السياسية في تونس. الناس اللي عندهم إجازة أو ماجستير في علوم حقوق أو اقتصادية أخرى واختيار التكوين مدة عامين في العلوم السياسية باش ياخذوا فيها الماجستير الأنبياء. أما في العلاقات الدولية ريلاسيون انترناسيونال ولا في التحكم في السياسات العامة الداخلية. هذا يهم الشأن السياسي في تونس باش يكون عندهم تكوين محكم علمي وموقف المعهد هذايا هو الحياد من جميعنا من جميع الأطراف السياسية. هنا دراسة وعلم وعلوم بس. خلينا نقولوا معناها لهنا يصير تصنيع صناع القرار أكثر من صناع القرار، كل واحد حر بعد في انتمائه. أما هنا باش القرار نتاعهم يبدا معناها مركز، فيه معلومات، فيه تراتيب، فيه علوم ماهوش عشوائي. المعهد هذا توا فيه قرابة 80 طالب من جنسيات عديدة، رغم التوانسة هم الأكثرية، وقد الفتيات قد الذكور. وريك ايضا اللي المراه التونسيه او حتى الافريقيه اللي يقراوا معنا عندهم طموح في الميدان السياسي والتحكم في السياسات العامه والعلاقات الخارجيه.